L'Algérie est un jeune pays situé au nord de l'Afrique. Ce pays, né en 1962, a réussi en dépit de tout à s'imposer sur la scène régionale, particulièrement sur le plan économique. La première richesse est sa situation géographique stratégique, du fait qu'il est situé au nord de tout un continent, dans la rive sud de la Méditerranée, pas loin du Proche-Orient. L'autre atout, c'est l'étendue de son territoire et les multiples richesses minières et naturelles qu'il recèle. Depuis l'ouverture économique décidée après les événements d'octobre 1988, l'Algérie s'est engagée sur la voie de l'ouverture, de l'économie de marché et de la compétitivité. C'est ainsi que l'on a assisté à ce virage pris sur le plan économique en passant de l'économie dirigée vers l'économie du marché et la logique de la mondialisation. Depuis cette période, des initiatives économiques venant des particuliers ont vu le jour. Cet élan est allé en crescendo, particulièrement depuis le début des années 2000. Parmi ces entreprises nées du secteur privé et qui ont réussi à se faire une place sur l'échiquier économique de ce pays, l'on compte le groupe Tifrale. Ce qui est de nos jours l'un des joyaux des entreprises modernes et compétitives sur la scène régionale et au niveau national, n'était qu'une insignifiante entreprise familiale traditionnelle, lancée par Mohamed Machkan, un enfant du village Tifra, issu de l'Algérie profonde et ayant démarré depuis 1987 sur une base presque du néant. En 1987, on commença au village Tifra, Tsaddarthiou, et Mouissimakani. Donc en 1987, bien sûr, on commença à l'échelle artisanale, vraiment artisanale. Voilà. Maintenant, on commence depuis 1987 à ce jour. Toujours la même branche, mais toujours kifkiyek. Le domaine choisi par Mohamed Machkan est celui de l'agroalimentaire. Mais bien avant de parler de l'industrie agroalimentaire qui était sous le monopole de l'État dans la logique de l'économie dirigée, l'initiateur de ce projet a su concilier entre deux pôles différents. Celui de l'activité traditionnelle qui est celle de l'économie traditionnelle qui remonte à la nuit des temps et ses mutations profondes pour devenir de nos jours toute une industrie produisant plusieurs dérivés. D'une micro-entreprise traditionnelle et familiale utilisant des moyens rudimentaires, Tifrale est devenu un groupe d'entreprises réparties sur 3 sites industriels au niveau national. La production principale est particulièrement axée sur la fromagerie, le lait, le petit lait et le lait caillé. Grâce à cet effort continu, en plus de la valeur ajoutée considérable qu'elle génère pour le trésor public, ce groupe d'entreprises est un espace économique en évolution continue qui assure en permanence plus de 700 postes d'emploi directs et près de 2000 emplois indirects. Principalement notre grand créneau, bien sûr, c'est les pâtes molles. Les pâtes molles, tout ce qui est camembert, le brie, la galette et tout ça, c'est ce qu'on appelle les pâtes molles. On va donner aussi des pâtes pressées. Les pâtes pressées, c'est le genre de gruyère, de boulet rouge, etc. On va donner. Sinon, bien sûr, on va donner pas mal de produits. Le siège principal de l'entreprise Tifrale est situé plus exactement sur la route de Chorfa, au cœur de la ville de Tixirt, située à 40 km au nord de la ville de Tizi Ouzou. Aux côtés de cette direction, l'on retrouve la première usine, qui est la Sarl Tifrale, la première usine du groupe qui actuellement est spécialisée dans la fromagerie. De cette usine sont nées 2 autres usines. L'on compte la Sarl Matinal implantée dans la ville de Tizi Ouzou et la Sarl Ifkile, implanté dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, à l'extrême ouest de l'Algérie. Le groupe Tifrale emploie près des milliers de personnes d'une façon directe et plusieurs autres milliers d'une façon indirecte. C'est ainsi que depuis le développement de Tifrale, le secteur primaire, qui est celui de l'agriculture, connaît un véritable essor à travers la région et même au-delà. L'élevage est l'une des activités économiques qu'ont connues les habitants de la Kabylie depuis la nuit des temps.
dans le sillage de la politique socialiste et de l'économie dirigée. Les activités de l'élevage et de l'agriculture ont connu un véritable naufrage. Et depuis le lancement de Tifralé ainsi que les mesures incitatives de l'État pour le développement du secteur, cette activité a connu un véritable éveil. Les écuries, qui étaient si rares, poussent à travers les villages. Ces terres abandonnées ont été vite mises en valeur et du coup exploitées à bon escient. Chaque litre de lait qui sera trait trouvera son exploitation et sa transformation au niveau de Tifralé. C'est ainsi que cet essor a véritablement créé une dynamique et incite de plus en plus les citoyens à investir dans le secteur primaire. De quelques dizaines d'agriculteurs aujourd'hui, ils se comptent par milliers, allant de Tixirt jusqu'au fin fond de la wilaya de Tizi Ouzou, jusqu'à l'extrême ouest de l'Algérie.